sama yo. Dembe sama te sama ele sama reo sama yo. Nyingi jiyo kubakubana. Misal mini arbe do be onon fof monsieur le sous-préfet et maire commune Pakouro et délégation de l'assainissement Aliou Cissé yottini han équipe yottini han équipe Sénégal do ni wayno case des yottini coupe maunde parce que coupe maunde do wonno hanki do tampere wonno ayi arano neddo cogne cogne paro tuudi gol fakki bo si ay anay a cellal tukale e debbo reedu han ko laabal ngal din hen taba kon non coupe maunde nyaagi on ballon dum e woyndu woynundu ganduda ko woyndu forage dum minen on nyaagi on dum onon delegation gardo kala no bawru dum wadde ni on dum nyaagi eyi sabu na wi'a neddo si ayi gama han ko ka heedima do han wimbo ni pommi dum do palami wallede joni onon gandi ko bawro men wallude eyi on terminama buy Aliou Cissé a jarama ya Allah boynu duubi maada ya Allah boynu duubi maada boyna galle maada merci à l'UNICEF qui a bien voulu faire le nettoyage et Marichi le premier adjoint le maire de Pakour c'est le maire qui m'a délégué pour lui représenter là dans l'événement. D'abord, je crois que le choix que vous avez fait n'est pas un choix vite. C'est un choix où nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Coupe Maunde, c'est le premier ou bien même le cinquième du village de Pakour Maunde. Je peux vous dire que nous sommes heureux aussi d'accueillir le responsable de l'équipe nationale, Aliou Cissé, qui est là présent à côté de nous. Je saisis l'occasion de dire que vous avez choisi le premier village. Le premier village de la commune de Pakour. Le village date moins presque, il va jusqu'à 200 ou même 150 ans. Donc c'est un premier village qui est là, qui est implanté là depuis des années extérieures. Au nom du maire qui est absent, il m'autorise de vous dire merci et vous dire bravo et vous remercier pour tout ce que vous avez initié à dépenser pour cet événement qui se déroule aujourd'hui. Nous pouvons vous dire aussi que vous avez fait ce que nulle naissance n'arriverait pas à faire. C'est un cadeau qui est là, un cadeau qui restera, qui demeurera, puisque vous avez amené le premier entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal dans le village de Coupe Maunde. Cela nous donne la joie et la rigueur. Monsieur l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, nous osons vous dire, les jeunes sont là. Ils sont présents, c'est pour vous dire qu'ils en ont besoin d'être aujourd'hui nommés ou bien même saisis ou même soit entraînés dans le football. Goɗen mbaɗen bawɗe meɗen ɗe minen calmina noon gadduɓe projet oɓe UNICEF e Aliou e Kadades e Aliou minen on calmina saare ko wonde e important ko waynu landu ɓiɓɓe amen ɓe jara ndiyam laaɗɗam pos
Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Paco, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour l'intérêt qu'il a toujours accordé à tout ce qui est action de développement au niveau de l'arrondissement et les conseils aussi qu'il nous a toujours donnés pour nous permettre en tout cas de mieux faire notre travail. Je remercie monsieur le maire de la commune de Paco, le maire de la commune de Parumba empêché, mais la directrice régionale et résidente de l'UNICEF et sa délégation, la direction de l'assainissement et sa délégation, monsieur le journaliste, chère population, Casades, monsieur notre grand frère pour qui nous sommes tous honorés aujourd'hui, c'est remercier sincèrement à l'UCC. Casades, le comité d'appui et de soutien au développement économique et social, est une organisation de la société civile qui a été créée en 1997 et qui travaille dans des domaines variés. Et ce qui nous réunit ici, c'est un de nos axes stratégiques, c'est l'eau, hygiène, assainissement. Et nous l'avons développé pendant 20 ans. Nous avons commencé avec l'USAID PEPAM RTI. Nous avons travaillé avec la direction de, avec le Fonds mondial pour l'assainissement à Matam. Et nous avons continué avec tous les programmes de l'USAID. Ce que nous avons compris aujourd'hui avec notre partenariat direction de l'assainissement et l'UNICEF, c'est les domaines qui ont été intégrés à ce que nous faisons pas avant. Parce qu'avant, notre approche sur l'eau, hygiène, assainissement, c'est la potabilité, la construction, n'est-ce pas, de latrines. Mais avec ce programme ATPC élargi, ils ont intégré la santé de la mère et de l'enfant. C'est la vaccination, c'est les visites, n'est-ce pas, des femmes enceintes, la nutrition et l'extrait de naissance des enfants. Donc ça a été vraiment un bonus, un programme complet et pour lequel je remercie sincèrement notre partenaire, l'UNICEF. Remercier la direction de l'assainissement, pourquoi? Parce que c'est une des premières directions qui a accompagné, il y a 15 ans de cela, Casades, à une première formation sur l'approche ATPC à Kaffrine. Ça, c'est vraiment les remercier très sincèrement. Et pourquoi le choix aujourd'hui de Kopé Maoundé? Lorsqu'on est arrivé ici à Kopé Maoundé, il y a 17 latrines à construire. Parce que ce qu'il y avait ici, c'est presque des trous, ce n'était pas des latrines, et les populations ont le reconnu. Et les populations se posent la question, comment nous allons pouvoir construire 17 latrines? Mais avec la stratégie d'accompagnement de Casades, à travers les animatrices basées sur des groupes de femmes, et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir 23 latrines avec tout le dispositif de lavage des mains. C'est-à-dire que l'approche, elle est très puissante, la TPC. Elle amène la communauté à comprendre. Le fait d'aller déféquer à l'air libre, c'est ça qui est à l'origine de toutes nos maladies. Nous sommes pauvres parce que chaque jour tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu achètes des ordonnances, tu reviens encore de transport, donc ça c'est un véritable problème. Ils ont compris qu'une des solutions, c'est l'ATPC. Et l'ATPC est une solution aussi transitoire. En attendant les programmes de l'État, les populations doivent sécuriser les extras. Et tout cela, vraiment, ça a été un plaisir en tant que directeur exécutif de Casades, vraiment de me rendre compte que vraiment du travail a été fait par l'équipe. Aujourd'hui, elles sont fières parce que les femmes, elles sont très dynamiques. C'est elles qui forment les maçons, ces braves femmes. C'est elles qui accompagnent, c'est elles qui animent le processus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que comment nous avons pu, nous, les populations, construire les 23 latrines, alors qu'au départ, pour nous, ce n'était pas évident. Et les populations ont compris la relation entre déféquer à l'air libre et son impact négatif sur le cadre de vie. Et nous avons demandé aux populations, puisque vous pensez que vous ne devez plus aller déféquer en brousse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où est sorti le plan d'action. Nous devons avoir des latrines. Nous devons nettoyer le village. Nous devons nous laver les mains au savon à la sortie. Et c'est comme ça que nous avons demandé aux populations que c'est une approche pilotée par elles-mêmes. Il n'y a aucun
aucune somme qui est sortie de l'extérieur. C'est les populations qui l'ont fait. Elles ont fait la fouille, c'est elles qui ont amené le bois. Avec un sac de ciment, nous avons fait, ça nous a permis effectivement de construire. Vous voyez que donc, avec 6 000 francs, tu construis. Et quand tu es malade, imagine le montant d'argent que tu dépenses. Donc, c'est une approche vraiment très simple qui permet aux populations vraiment de garder leur intimité, de prendre confiance. Et voilà aujourd'hui, partout, depuis hier, je suis venu ici et les populations crient en tout cas de joie pour dire qu'enfin, nous avons trouvé la dignité. Et ils l'ont dit ici, avant le programme, la nuit, chacun est chez soi. Parce qu'il y a de l'herbe un peu partout, il y a de l'obscurité, on a peur des serpents. Mais avec ce programme, tu es là et tu peux voir de l'autre côté. Donc les gens, la nuit, ils sortent maintenant pour commencer à causer. Et tous les alentours aussi, parce qu'ils disaient qu'il y a les enfants. Avant, on n'osait pas les envoyer pour aller chercher du feu. Parce qu'en venant, il peut y avoir feu de brousse. Mais maintenant, avec tout ce qui est assaini, ils n'ont pas de problème pour que les enfants, effectivement, puissent partir. Donc voilà un peu nos stratégies. Et ce sont les maçons au niveau local qui sont orientés. Ce sont les animatrices, ce sont de grands maçons, les animatrices. Donc c'est qu'elles y orientent, n'est-ce pas, deux maçons par village pour accompagner. Et c'est maintenant, c'est eux qui continuent, effectivement, à construire les latrines. Vraiment, je vous remercie très sincèrement et remercie vraiment la venue de notre coach. Parce que ça donne de l'énergie, ça encourage les enfants et le Sénégal est devenu un pays de football. Il faut que nous continuions effectivement à travailler dans ce sens. Cher monsieur le sous-préfet de Pakour, monsieur le point focal de la direction de l'assainissement, madame la représentante présidente de l'UCEF, ce n'est plus l'étranger parmi nous, mais c'est l'autre d'entre nous, le coach Aliou Cissé, qui est là parmi nous, qui est maintenant homme fils de ce village. Chers membres de Casades, messieurs les maires et les populations, je ne serai pas très long parce que le temps presse, mais c'est pour vous dire d'abord quelle est notre fierté à vous recevoir parmi nous dans ce village. A beau réaliser des activités, s'il n'y a pas de promotion, s'il n'y a pas de visibilité, s'il n'y a pas de compréhension, on ne sentira pas la portée de ce que nous faisons. Nous avons toujours besoin des populations, de la presse, pour être les porte-parole de ceux qui n'ont pas la voix de le faire, mais aussi de la télé, pour visualiser les efforts que nous sommes en train de réaliser dans les profondeurs du Sénégal. La direction de l'assainissement, depuis 2011, parcourt beaucoup de régions, beaucoup de départements, beaucoup de communes, beaucoup de villages, parfois dans les frontières. Pour un changement de comportement favorable à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, comme l'a dit le coordonnateur de Casades, pas trop longtemps, nous nous intéressons au paquet élargi, la vaccination. Un enfant non vacciné, c'est un danger public pour lui-même et pour la population. La nutrition, la malnutrition, elle tape partout dans certains villages. L'état civil, je pense que nous nous reconnaissons comme Sénégalais parce que nous avons des pièces d'identité, parce que nous sommes de la population sénégalaise. La gestion de l'hygiène mensuelle qui est fondamentale et prioritaire pour les populations. Voici tant d'actions que nous menons et que nous avons des résultats visibles, tangibles, que nous essayons de perpétuer. Casares, je reviendrai particulièrement sur le partenaire que j'ai connu. Parce que si nous connaissons la mission, les moyens sont mobilisés. Généralement, les résultats sont au rendez-vous. La mission, il faut une stratégie, il faut des actions. Et les actions de Casares, c'est généralement aussi un renforcement de capacité. Formation des enseignants, formation des élèves, formation des femmes à la fabrication du savon local, formation des maçons. Tant d'actions combinées nous donnent beaucoup de résultats. Nous sommes présentement, madame la représentante, de l'autre côté de la région, en train de développer un partenariat entre l'UNICEF, qu'on a besoin de saluer, et l'entreprise ICOMS. Nous sommes trop contents aujourd'hui de vous retrouver parmi nous. Et nous souhaiterions, dans peu de temps, si Dieu le veut,
pour vous soyez encore parmi nous, pour magnifier les efforts que l'UNICEF est en train de réaliser avec la direction de l'assainissement et ICOMS. Ça sera peut-être dans un autre endroit, vers nos départements du MIF, mais nous souhaiterions que ça soit la présence de l'UNICEF, des autres administratives, territoriales, et pourquoi pas le coach. Coach, c'est tellement que j'ai la chance. Je vous ai rencontré pour la première fois dans le Sédou, homme de foi de religieux. Vous êtes venu une fois dans vos missions à Bogal. Je vous retrouve encore ici aujourd'hui dans le cadre du développement. Nous sommes vraiment heureux d'être ensemble avec notre sélectionneur et coach national, Aliou Cissé. Et je veux vous féliciter pour tous les efforts et les résultats que vous avez accomplis en faveur des enfants dans ce village, avec les initiatives pour les latrines et la santé des enfants. UNICEF travaille dans tout le pays, dans la région de Kolda, dans le département de Valingara et ici, en faveur des enfants. Nous sommes venus pour voir vos efforts et les résultats pour renforcer les initiatives pour la santé, l'hygiène, la nutrition, la protection des enfants et aussi l'éducation des enfants dans le village. Le coach est là avec nous. Parce qu'il s'engage, c'est un champion, pas seulement un champion de football, mais aussi un champion pour les enfants et des droits de tous les enfants. Parce qu'on est tous ensemble, une équipe unie derrière l'équipe nationale du Sénégal. On doit aussi être tous une équipe unie derrière les enfants du Sénégal. Chaque fille et chaque garçon dans ce village et dans la commune ont le droit d'aller à l'école, de grandir en bonne santé, d'être protégé, de n'avoir aucune maladie. Chaque fille, et ça c'est vraiment une question qu'on pourra discuter, devrait aller à l'école. Nous travaillons pour toutes ces questions. Et je vous félicite d'avoir investi dans votre village pour la propreté, pour la santé. Je vous félicite de tous les efforts pour que chaque enfant et chaque fille, chaque garçon va à l'école, que les filles continuent aussi à pouvoir bénéficier de toutes ces initiatives. Et nous serons à vos côtés, UNICEF, aux côtés des autorités que je remercie, et avec la voix et le soutien de notre coach pour que cette réalité pour chaque enfant dans cette commune et dans le pays. Djarama. L'UNICEF vient me proposer d'accompagner les qui mission humaine. Maintenant, je dis que hésitez au mauvais néon. Hésitez au mauvais néon parce que le mot sort, moi, jeunesse, c'est une situation, l'unité tout est, mais Tamit, elle est dégagée, Tamit, qui est une situation magnifique, Tamit. Madame, scolarisation. C'est important. Extrait de naissance, Ndouli, Khaleï, nous l'a dit, Yobou, nous avons extrait de naissance, nous voulons en parler. Khaleï Bogis, Boutoudou, Warna en chance. Chance ou pas de, nous voulons qu'on y ait, qu'il y ait une départ ou bas, pour que justement, mon délucide du village Béfi, d'être un homme en Djibouti. Khaleï, il est disponible, il est venu à venir au village Béfi. Et vous avez une possibilité de faire une femme de l'envoyer. Vous avez une chance au départ. Bien sûr que vous avez dit que vous avez un footballeur. Et vous avez dit que vous avez une région qui est 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 une région qui pour que justement, quand les gens qui sont unifiés, ou les gens qui sont alentours, nous allons recruter, nous allons les chercher, nous allons les chercher, nous allons les footballeurs. Je ne sais pas si nous allons les footballeurs, mais les professionnels sont unifiés. Mais je crois que les jeunes, il faut maintenir, il faut arriver à ta haut, pour qu'il y ait des VHB, des VHB, des VHB, pour justement, nous allons faire en sorte que c'est un bon coup, c'est un bon coup. Donc je peux demander
Parce que tout le monde football, il est en football. Donc ça veut dire que tout le monde a une possibilité de jouer. Parce que si vous avez une équipe nationale féminine, vous avez une équipe nationale féminine. Donc tout le monde a une équipe de jouer. La jeunesse est en train de mobiliser. Parce que Réumi, la jeunesse est en sorte que justement que Réumi est en train de se directeur bi lu mu wax tay wonene ni que UNICEF ak état bi ñu ngi def ay djégo yo xamné djégo yu am solo la té lolu je pense que c'est important tamit ñu remarquer ko tay bu ñu xolé village bi fu mu joggé il y a quelques années ak fu mu tollu tay mën nañ wax ni que amna ay djégo yu am importance yo xamné def nañ ko vite lolu directeur bi moko wax mom ci gëmu ñu donc lolu am solo la donc pour wax rek ni que à travers UNICEF moy xalé yi djégé ni moy xalé yi ndaw yi muy bërum scolarisation muy bërum maintenir xalé yi ci école muy bërum extrait de naissance muy bërum mariage précoce ak exclusion et tout ça lolu je pense que c'est le rôle de tamit ñu tok ak communauté bi tok ak suñu équipe ñu waxtan ci ci jakk terang parce que avenir xalé yi ñun ni ñu ñoko yott lolu motax sama déplacement man tant que parents yi kilifa yi yaay deg ande bis lolu lu am solo la bu fi ñewé c'est parce que dañu bëgg waxtaan ak kilifa dekk bi dañu bëgg waxtaan ak jeunesse bi ci difficulté yu am ci région yi ci difficulté yu am ci village tay muy UNICEF muy man en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal suma baye sama lepp ñew fi taxaw c'est parce que daf ma soxal c'est parce que dama bëgg ñuy waxtaan ak ci wajur yi dama bëgg ñuy waxtaan ak ci xalé yi tamit pour xol na nañ leen mari jappalé pour que justement ñu avancé té lolu suñu responsabilité ñun ñëpp la fi la du do Casamance fi la yaro difficulté yi xam naa ko li ñuy dund ma xam naa ko tamit donc je pense que tay parents yi wajur yi ñom ñëpp dañu wara monko doglu xalé yi tay njabot bi njabotu kanara la bu nekk ba da ngay jitu xalé yi topp lu waye tay fu ñu neew lu ni xalé yi ñoy jitu ñu kilité ñu nekk ci ginaaw ñu leen di diriger ok mission UNICEF moma fi indi ma and ak wa UNICEF waye bu soobe yalla comme amna fi soufflé gi dina fi delu ci wa ma ngi di sadd di len gërem di len nuyu bu baax ngeen xam ni tamit ah dañuy ñew tamit pour sa kuñan dégg équipe nationale comme ni ngeen ko xamé ñu ngi préparé ay échéance yu am importance manam coupe d'afrique bi di ñew match yi di ñew ak di ñaan vraiment arrondissement bi yëpp di ñaan village bi yëpp ñëpp nañ taxaw pour que deuxième coupe d'afrique bi inshallah yalla ñoo ñu ko ci sobe yalla voilà.